Monde. Alors, j'espère que vous allez bien, l'ami du bonsoir. 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 J'espère que ça va. Alors, je vois qu'il y a déjà Madeleine. Bonsoir, Madeleine. De ce côté-là, et Clément. Je ne sais pas comment Clément, alors, number one, te connecter sur le Facebook. Il est très, très fort. Il y a John, il y a Christelle, il y a Vanessa, il y a Tiffen. Salut Tiffen, nos amis d'Eurosport. Oh, c'est timide là. Ils sont, il y a Laura, il y a Fred. Moi-même, je n'étais pas super en avance ce soir. Il est 58, on va démarrer dans 2 petites minutes. Corinne, bonsoir Ingrid, bonsoir Mylène. Marc, bonsoir à vous deux. Allez, je passe le temps de vous connecter. Bon, j'espère que vous avez bien récupéré hier soir. Le travail était différent. C'est bien cette semaine, on aura alterné les efforts de travail, on sera passé du cardio au renforcement musculaire profond, on sera revenu sur l'explosif, on aura vraiment varié les plaisirs et joué un petit peu avec les objectifs de séance. Donc c'est très très bien. Oula, si ça s'est activé du côté d'Eurosport. On a Fred, on a Chantal, on a Elisabeth, Catherine, Fabrice, Véronique, Nanou et Gisou pour le moment. Super. Et là, ah ouais, ça y est, vous êtes tous connectés. Bon, en tout cas, j'espère que vous êtes bien, vous êtes en forme. On est le 8 mai, donc je pense qu'on aura quand même peut-être un petit peu moins de monde. C'est l'avant-dernière séance du confinement. Je vous rappelle que demain matin, on a effectivement le live à 11h pour parler un petit peu des questions-réponses, de la suite effectivement, de ce confinement. Je crois que j'ai trouvé la bonne articulation et peut-être un petit bonus. Je vous en parlerai demain matin à 11h. Voilà, je pourrais malheureusement pas traiter les questions de tout le monde. J'ai eu beaucoup trop de questions. Il y a certaines questions qui reviennent, c'est souvent les mêmes. Mais il y a eu beaucoup de questions, donc je pense que je fais plusieurs questions. Christophe, salut Christophe, Ali aussi, pareil, Alison, Sandrine. Allez, il nous reste quoi? Il nous reste 20 secondes avant de démarrer ce soir, circuit training. S'il y en a qui nous rejoignent pour la première fois ce soir, eh ben, bienvenue à vous, merci d'être là. Ça va être cool, hein, ça va être cool. Pour ceux qui démarrent, en tout cas, il y aura des options très soft. Pas d'inquiétude si ça part vite. Je ne peux que le redire, je l'ai dit au début, je l'ai dit au fil des semaines. Prenez soin de vous, ne partez pas sur un faux rythme, ne vous mettez pas en danger, même si on a envie, dans la foule du truc, de se mettre vraiment dans le speed de l'exercice. C'était très français ce que j'aime bien. Mais bref, voilà, si vous voulez vraiment être à fond dans l'engagement, soyez vigilants, prenez quand même des précautions, ne vous lancez pas corps et âme, c'est ça que je voulais dire, à tout va, et essayez vraiment de mesurer la progression pour justement durer dans le temps, ne pas vous blesser, ne pas vous écœurer aussi, et justement essayer de travailler à votre rythme. Monsieur Thierry Gondet, bonsoir Thierry. Allez, c'est bon, il est 18h30. Encore une fois, dégagez-vous un petit peu d'espace, ouvrez les fenêtres, prenez la bouteille d'eau, et on va attaquer par un plat d'échauffement. Alors, je vais changer un tout petit peu. Alors, ce soir, c'est 7 exercices, hein. Il y aura des options, effectivement, qui ne seront pas forcément toujours les mêmes, qui n'auront pas forcément de sens, mais qui nous permettront d'adapter si vous avez des problèmes de genoux, de poignet, de coude ou autre. Allez, on va partir avec les jambes à l'écart, le buste droit, épaules abaissées, abdominaux serrés, on inspire et on expire. Voilà, tranquillement. Alors, ce n'est pas tant les bras, hein, ce n'est pas le mouvement de bras qui compte, c'est surtout que vous ayez le temps de bien placer une inspiration et une expiration. Alors, avant que la séance ne démarre vraiment, mettez-vous une bonne playlist, hein, si vous voulez. D'ailleurs, ça serait amusant de savoir sur quoi vous faites du sport. Quelles sont vos séances, sur quel rythme vous les faites. Je pense qu'on n'a pas tous les mêmes styles. Allez, inspirez, soufflez. Parfait. La même chose avec les deux bras. Vous abaissez les épaules, les deux bras montent en inspirant. On revient tout doucement, on expire. Allez, il y en a 5 à faire. 3 fois. 2. Allez, prenez bien conscience de vos abdominaux. Mettez un ou deux crans en plus au niveau de la taille, au niveau de la ceinture. On ouvre un petit peu plus les genoux et les pointes de pied vers les extérieurs. On redescend. On fait le transfert avec le poids du corps d'un côté. On redescend et le même transfert de l'autre côté. Sur un peu plus cool. Je descends un peu moins bas. Par contre, je pense que dans le transfert de part et d'autre, il n'y a pas trop de soucis. Allez, encore 8. Bon, c'est toujours, toujours les mêmes consignes qui reviennent. Vous pensez à engager les abdos, le périnée. Encore 2 fois. Parfait, on revient. Vous avez placé le pied droit sur le sol. Vous placez le genou au-dessus du pied. Vous montez le genou vers la poitrine. Le repeaters, option cool. Je fais juste un petit pas devant derrière, pas trop vite. Option moyenne, je mets l'accent sur le genou.
Option 3, un peu plus de fréquence avec les bras. Allez, 10 secondes. Allez, essayez d'être dans la bonne pensée là. La pensée énergie, celle qui va nous faire du bien. On va passer une heure ensemble, une heure à se défouler, une heure à créer de l'énergie et booster notre métabolisme. Parfait, on revient. Petit pas à côté. Et pour ceux qui ont déjà l'habitude, effectivement, on se met un petit peu plus en actif. Voilà, je travaille déjà la qualité d'appui au niveau du sol. J'essaie de sentir que je ne suis pas lourd sur l'appui. J'ai une transmission assez rapide. Tout le travail est bien placé. Les abdos bien engagés. On souffle. 5, 4, 3, 2. On change de pied. Option 1, option 2 et option 3. Allez. Allez, 6 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, et on revient. Parfait. À nouveau les petits sursauts. Toujours pareil, vous commencez ce soir. On ne s'emballe pas, on passe là-dessus. On essaie de bien souffler, de bien expirer. Essayez de sentir qu'au-delà de la fréquence de tous les exercices que je vais vous proposer, encore une fois, il y a la tonicité. Parfois, il va y avoir de l'explosivité. Mais dans tout ça, il y a surtout du contrôle et du relâchement. Le maître mot, il est là. Parfait. On est en actif. Équilibrez bien aussi avec les bras. Soufflez. Allez, 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Pour continuer d'échauffer un tout petit peu les genoux, les jambes et hanches. Petite fente en arrière. Une petite flexion. Hop. Je stabilise mes mains au niveau des hanches. Je mets bien l'accent sur la flexion des cuisses. Donc, je descends avec les jambes. Je descends le genou arrière près du sol. Ce n'est pas une flexion de cuisse, hein, c'est une flexion de jambe. Descendez en inspirant, soufflez longtemps. Voilà, cherchez à descendre plus ou moins bas. Vous pouvez aller plus ou moins vite aussi, pas trop vite quand même. Allez, encore deux. Très bien, on revient à nous, le petit sursaut, j'insiste bien. L'échauffement est très important, hein. Je l'intègre vraiment dans la séance. Même si ça paraît mou dans un démarrage, c'est super important qu'on fasse le travail et que ça monte crescendo. Parfait. En restant bien placé, l'ouverture de la cage thoracique. Soit vous commencez sans impact, vous changez de jambe, droite, gauche, en faisant en sorte que les mains viennent se toucher sous la cuisse. Ou alors, option 2 et 3, c'est la même. Avec un petit sursaut. Parfait. Pour les runners, là, prenez l'habitude de relever la pointe de pied. Et ce n'est pas la pointe de pied traînée en bas. Soufflez au maximum. Alors, j'ai quand même une petite voix en dessous, je ne vais pas faire trop de bruit. Allez, 10 secondes, restez placés ici, hein. Ne faites pas ça, hein. Hop. Allez, 5 secondes, 4, 3, 2, on va faire un petit passage un peu plus focus corde à sauter. Je commence ici, j'ai les tendons d'Achille un peu fragiles, on en parlera demain matin des tendons d'Achille. C'est très souvent revenu, je vous en parle demain. Ici, voilà option 2, hop, ici, allez, on souffle, on expire. Voilà, activez bien les bras, faites vraiment en sorte que ce soit l'avant-bras qui mouline. Allez, plein de questions hyper intéressantes. Hein. Allez, je souffle. Parfait. La suite, double impact. 1, 2. Hop, hop. Si vous le faites sans impact, ça fait 1, 2. 1, 2. Voilà. Vous essayez de bien cadrer votre bassin. Vous essayez de ne pas trop vous désunir dans le déplacement. C'est compact et c'est l'ensemble qui se déplace. Parfait. Allez, expirez. Allez, c'est le retour du beau soleil hier soir. Ça fait du bien. Allez, on tient. Encore. Parfait, maintenant on va essayer où vous le faites avec les deux pieds serrés, droite, gauche, ou alors vous faites simplement, hop, pointe de pied et je pivote. Pointe de pied et je pivote. Par contre, passez bien par la pointe de pied. Allez, 10 secondes, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1. Donc, on va enchaîner avec un exercice qui va nous servir, le dégager côté, pardon. Ça, c'est un des grands classiques. Hein. Celui-là est hyper important pour le moment. Vous stabilisez votre bassin. Et descendre un peu dans les cuisses pour solliciter les quadriceps ici. Et là encore, vous essayez de sentir l'équilibre dans le transfert. Voilà, on inspire, on souffle, inspirez, soufflez. Très bien. Si vous pouvez le faire avec un petit peu plus de tenue sur la reprise d'appui, hop, petit sursaut. 5, 4, 3, 2, la corde à sauter encore une fois. Très libre dans le mouvement. Activez bien les bras si vous le pouvez. Soufflez bien.
Tout à l'heure, on a monté les genoux. Il y avait les mains, on est venu chercher en dessous des cuisses. Cette fois, on va faire le buzzer. On vient appuyer sur le genou. Voilà. Option sans impact, option cool. Je reste au droit placé. Et option un petit peu plus dynamique. Et on finira juste par le switch. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Le switch, c'est du ski de fond. On fait en sorte de bien tenser le pied. Pas ici, sinon ça tire son tendon rotulien. On avance le pied. Par contre, on a amorti dans les cuisses, même si c'est dynamique. Les cuisses, c'est deux amortisseurs, hein. C'est pas des poteaux. Hein. Donc les cuisses, elles ont leur fonction. Amorti et elles restituent l'énergie. Voilà. Limite à l'oreille, on n'entend rien. Option plus cool, juste ça. Hop, 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 hop. Allez, on tient sur 20 secondes. Allez, 12 secondes. Et c'est le retour du chrono. Hein. Je l'ai sorti deux fois pendant le confinement, c'est pas bon signe. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allez, on s'hydrate un petit peu. On a parlé de l'importance de s'hydrater. C'est très important, les amis. Jérôme, Dominique, super, vous êtes tous là, apparemment. Et quand même, 693 personnes, presque 700. Là, 255. Et on est quand même à 1000 personnes. Hein. C'est bien, c'est très bien. Pour un vendredi 8, je ne pensais pas. Et c'est loin d'être fini. Allez, on va attaquer. J'alterne les efforts entre le haut et le bas, entre le statique, le renforcement musculaire et le cardio. On va partir sur du 30 secondes à peu près par séquence. Si bien évidemment, au bout de 10 secondes, vous sentez que vous êtes dans le rouge, mais quand je parle du rouge, c'est le rouge, je n'ai pas juste, je n'ai pas envie de faire l'effort, c'est que c'est trop dur, dans ce cas-là, ou vous prenez une option plus cool, ou vous avez le droit de vous arrêter à 10, 15 secondes, voire 20 secondes, d'accord? Et pour ceux qui sont vraiment à l'aise, vous allez jusqu'à 20 secondes. Tiens donc, le retour de monsieur Ousso. On va démarrer, on va partir sur du squat statique. Vous écartez les pieds de la largeur du bassin, les genoux, les pointes de pied vers les extérieurs. Vous allez bien serrer les abdominaux avant de démarrer. On contracte, on descend. C'est parti, j'enclenche. Allez, go. Voilà, vous commencez ce soir, vous voulez faire le même exercice plus haut. On peut se mettre ici, ce qui est important, c'est d'avoir une bonne conscience de votre posture, l'engagement des abdos du périnée. Cherchez pas à descendre trop bas. On va faire plusieurs fois la boucle. Donc, on a le temps. Vous pouvez aussi vous tester si vous n'avez pas trop l'habitude. Allez, 12 secondes. Alors pour le moment, c'est cool. Il reste 4 secondes. On va enchaîner avec le deuxième exercice. Vous allez marcher sur place en levant les genoux. Ça, c'est l'option 1. C'est parti. 30 secondes. Option 2, petit footing. Option 3, on monte les genoux. Option 3 plus, vous déplacez de part et d'autre. Comptez 4 sur les côtés. 1, 2, 3, 4. Et on repart. Hop, hop. Et tu choisis ta place tous les soirs. Toi. Encore. Parfait. Soufflez bien. Bon, je vais revenir sur un truc un peu plus cool parce que il y a un peu de monde en dessous. 20 secondes. Allez, soufflez. Et je le redis pour commencer. Faites déjà le travail ici, en essayant de sentir. Ce n'est pas juste les genoux que vous montez, mais c'est parce qu'il y a un travail au niveau de la flexion de hanche. Il y a un travail au niveau des abdos. Vous avez la prise de conscience au niveau du périnée. Et vous travaillez, si vous pouvez, en actif avec moi. Voilà. Et le petit plus, on lève la pointe. Les 5, 4, 3, 2, 1. On va partir jambes écartées. On plie les jambes. Ça, c'est l'option 1. Vous restez là. Vous allez travailler sur 10 cm d'amplitude. Vous attrapez deux cordes, si vous le pouvez. Vous ouvrez les cordes de part et d'autre, vous descendez, vous rejoignez. Ça, c'est l'option 1. L'option 2, ça va être la même chose. En levant les bras avec plus d'amplitude, plus de flexion. Inspire en haut, souffle en bas. Option 3, on resserre, on écarte, on amortit. C'est parti, 30 secondes. À réception, sur l'exercice, c'est le niveau 3 là. Essayez de sentir que là, en haut, vous êtes sur demi-pointe de pied, mais dès le retour, vous faites le travail pour déposer le talon au sol, hein, que le pied travaille bien justement. Allez, 15 secondes. Encore. Allez, 3, 2, 1. Parfait. Alors, pas de panique sur ce que je veux dire, on passe au sol. Travail de pompe. Hop. On fait sur le genou pour les débutants. Vous allez placer les mains un tout petit peu en avant. Donc, la bonne position, généralement, c'est les épaules au-dessus. Alors là, je vous demande d'avancer un peu les mains. Vous faites en sorte que, par contre, les épaules restent abaissées. On descend avec les coudes vers le sol et on remonte. Ça, c'est l'option 1. Option 2, les genoux en arrière. On descend, on remonte. Forcément, option 3, jambes tendues.
Et si vous ne pouvez pas le faire parce que vous avez des gros problèmes de poignet, ce que je vous disais au tout début, chose qu'on ne peut pas faire, qui n'a rien à voir, vous mettez les mains sous les fesses, vous relevez les jambes, vous écartez et vous serrez. Voilà, ça vous permet de travailler les adducteurs. C'est un autre groupe musculaire, mais ça vous permet de faire le travail. Allez, c'est parti, go. On s'ouvre. Allez, s'il vous plaît, bien, trouvez le relâchement. N'allez pas dans la vitesse, n'allez pas vous cramer. Faites-en vraiment avec du contrôle. On souffle. Dites-moi. Les coudes sont légèrement orientés vers l'arrière. 4, 3, 2, 1. Parfait. Vous remontez. Hop. La dernière, option 1. Vous faites un pas côté. Vous fléchissez. Les pieds sont relativement parallèles. Vous faites un pas sur le côté et une flexion à nouveau. Droite et gauche. Niveau 2. Flexion. Je monte sur le point de pied. Je lève les bras. Hop. Pas sur le côté. Flexion. J'amortis et je monte. Niveau 3, on l'a déjà fait. On est sur un terrain volé. On monte, on contre. Voilà. Allez, soufflez fort. Allez, soufflez bien. Ah, ne vous inquiétez pas. Il y en a qui sont à la maison qui sont horrifiés en se disant « Ah, il n'a pas vu, le chat est descendu, il va l'écraser. » Bon, la seule chose que je vois, c'est mon retour image. Hein. Donc, j'ai vu le monsieur le chat. Allez, 12 secondes. 10, 9, 8, 7. Descendez bien les jambes, écartez les bras, trouvez l'équilibre, la stabilité et hop, déclenchez le jump par les bras. Hein ? Parfait. Soit vous briquez, vous restez là, soit vous pouvez, vous restez en actif. Vous pouvez aussi rester là. Et expirez bien. On souffle. J'ai du sport dans la séance de sport, vous vous rendez compte ? Reste là. Non mais. Allez, expirez bien. Non. Donc, allez, j'espère que ça va à la maison. On se fait un check, on prend un petit temps de récup là, hop, hop, et hop. Allez, soufflez bien. Restez actif si vous le pouvez. Ça peut être là, ça peut être ça, ça peut être en marchant. Donc là, vous avez l'enchaînement. Si vous sentez que dans le temps de travail, c'est trop long, on est approximativement sur les 30 secondes. Si vous sentez que sur 15, vous faites le travail ce soir, c'est top. Si c'est 10, c'est top. Moins 10, vous pouvez faire un minimum de 10, vraiment, si on a donné les options les plus cool, d'accord ? Allez, soufflez bien si vous pouvez. On reste actif. Les bras, les bras, les bras. Ouh. 10 secondes comme ça. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Parfait, on récupère pour de bon. On souffle. N'hésitez pas à vous hydrater un petit gorgé. Pas trop. On en a parlé hier soir. Parce que j'aime l'enchaînement. Un jour sur deux, comme ça, on est dans la bonne construction. On va chercher les muscles par l'intérieur, le muscle profond. Il y a des kinésiologies, il y a plein de choses dans tout ça. Quand je crois que tu vas faire la séance avec moi. Oxo comme ça, sous le bras, et on va faire la séance ensemble. Allez, expirez bien. Et va un peu sur le balcon. Allez, soufflez, soufflez, soufflez. Je vous propose de repartir dans 10 secondes. Ça commence par le statique. Hein. 8, 7, allez, oxygénez-vous. Ne soyez pas déjà dans la contrainte à subir. Transformez ça. Ok, il y a un engagement, certes, c'est pour ça qu'on est là. On a la fierté, on sait qu'on bosse ensemble. Et 716, on a passé la barre des 7. On est à plus de 1000, hein, les amis. Hein. Allez, 3, 2, 1. Légèrement les points de pied aux extérieurs. Option 1, option 2, option 3. Option 3, c'est jamais plus bas que vos genoux. Hein. On dit qu'il faut respecter un angle à 90 degrés. Ce n'est pas 90 degrés avec le sol, c'est 90 degrés par rapport à votre jambe. La jambe, c'est ça, hein. C'est le tibia péroné. Quand vous fléchissez, regardez l'angle, on va vers le haut et vers l'avant. Donc 90 degrés de ça, on a les fesses plus hautes. Hein. On n'est pas à ce niveau-là, c'est déjà trop bas. On ne parle pas des athlètes, on ne parle pas de ceux qu'on a l'habitude. Allez, 15 secondes. Ok, j'ai suffisamment de sens derrière moi pour sentir que je suis dans le haut. Je crée un effort, mais je le contrôle. Physiquement, j'absorbe, mentalement, je le détourne. Je suis bien et je ne suis pas le seul à être bien. 3, 2, 1, je reviens. Hop, ici. Soufflez, soufflez, soufflez. Niveau 2, petit footing. Et avec le joint. Allez, on souffle.
Alors, je vais rajouter un exercice. Je suis dans la construction cardio. Levez bien les genoux. Alors, un circuit de training, c'est jamais figé. Hein. Vous pouvez essayer vraiment d'alterner le haut et le bas du corps, le devant, le derrière. Mixer les efforts de renforcement musculaire et cardio. Vous pouvez aussi faire un tour plus court, un tour plus long en rajoutant des exercices, un tour plus court. Vous pouvez mixer. Hein. Par contre, ce qui serait important, c'est de faire deux ou trois exercices à la suite sur le même groupe musculaire. Allez, soufflez bien. Option 3 plus avec le déplacement côté. Allez. Alors, j'ai quand même les voisins toujours. 8 secondes. 7, 6, 5, 4, 3. Donc là, je rajoute un exercice et sur la routine après, je rajoute encore un autre. C'est parti, on part d'ici. Les cordes, option 1. Option 2, plus d'amplitude. Et option 3, c'est parti. Allez, go. Très bien. Essayez même de sentir que lorsqu'il y a la reprise d'appui, il n'y a pas d'impact. Tout est sous contrôle musculaire. Allez. On souffle bien. Besoin d'une option plus cool, je reste là. J'étais sur l'option 3, ça commence à être hard. Je reviens. Parfait. Ici, on enchaîne. L'exercice que je rajoute, niveau 1, le fameux dégagé de l'échauffement. Le niveau 2, un petit jack. Niveau 3, jack en avançant, on recule avec les bras. Allez, go, 30 secondes encore. Allez, accrochez-vous les amis. C'est là où on produit les gens. Alors, pendant qu'on est là, 15 secondes, est-ce que je veux perdre du poids? Je suis dedans. Est-ce que je veux construire du muscle et de la tonicité? Je suis dedans. Est-ce que je veux trouver de la puissance cardiaque? Je suis dedans. Est-ce que je veux simplement me mettre en forme? Je suis dedans. Si je le complète avec les autres séances, c'est parfait. Ok, top, on relâche. Passage au sol, rappelez-vous. Prends le poignet sur le dos, les mains sur les fesses, jambes en l'air, j'ouvre et je resserre en soufflant. 3, 2, 1, les pompes, c'est parti, go. Allez, orientez bien les coudes vers l'arrière. Les doigts légèrement à l'intérieur. Quand vous faites les pompes, la position de base, c'est pas ça, hein, c'est ça. Et les coudes, ils sont pas là. Les coudes, ils sont orientés un peu vers l'arrière, un peu. Les épaules bien stables et la tête entre les épaules. Souffle en montant. Allez, 4, 3, 2, 1, on remonte. Parfait. On revient. Option 1, le bas côté. Option numéro 2, flexion, extension. Soufflez. Et option 3, le contre au volet. 30 secondes. Allez, c'est parti. Alors, il n'y a pas que le jump hein, qui m'intéresse. Hein. Ça, le déplacement est équilibré. Je rassemble bien dans les jambes. Au moment où je déclenche, c'est par les bras. Ici, je sens toute la chaîne musculaire contractée, le transverse, le périnée, les fessiers qui viennent en galbe. Il y a un travail de galbe dynamique, hein. C'est du gainage dynamique. Allez, soufflez. 8 secondes. Rassemblez bien dans les jambes. Option 1 ici, 5, 4. Et si vraiment l'option 1, c'est encore trop difficile avec le déplacement, juste ça. 2, 1. On récupère, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Allez, je compte sur vous. Ça doit être un peu au cardio, là. J'ai rajouté un exercice. Sur la prochaine routine, j'ajoute le dernier exercice. Donc là, on aura les 7. D'accord? Et à partir de là, dans le jargon, on appelle ça bastonner. Allez, soufflez bien. Allez, c'est bien, hein, cette logique. On continue l'échauffement. C'est une variation, une adaptation plutôt. On intègre, on se familiarise et après, on introduit tous les exercices. Allez. On tente 10 comme ça. Parfait. On récupère. On souffle. On marche. Là encore, n'hésitez pas à boire. Allez, on se remobilise ensemble. Bing. Je ne vous ai pas entendu. Bing. Là non plus, je ne vous ai pas entendu. Oh là, ils étaient forts. Et les amis d'Eurosport, check. On est ensemble. Toutes les personnes avec qui j'échange, là, pour diverses raisons, ça revient très souvent. Hein. C'est une
cette unité, cette force de groupe. C'est fou, mais je sens être virtuellement. Il y a une énergie collective là qui ressort, qui est incroyable. Je n'arrive même pas à la traduire. Alors moi, je la mesure par rapport à vos messages, mais je ne peux pas la traduire autrement. Je ne sais même pas comment l'expliquer, mais on sent qu'il y a ça. Et ça fait super plaisir. Allez, on ne va pas prendre non plus un quart d'heure, 10 secondes. Donc, si ce serait comme, c'est qu'à partir de maintenant, on fasse les 7 exercices à la suite, et au moins 3 fois, d'accord? Si avec l'accumulation des efforts, ça vous paraît trop difficile, vous faites sauter une routine, ou vous faites sauter un exercice sur deux, et ce n'est pas un échec, c'est juste avoir la capacité de s'adapter par rapport à soi. Est-ce qu'on a le même parcours? Est-ce qu'on a le même parcours sportif? Est-ce qu'on a le même temps à consacrer au sport? Est-ce qu'on a les mêmes envies? Ben non. Donc, on propose avec ce qu'on fait ce soir. Par contre, on est tous là, et ça, c'est cool. 3, 2, 1, go! Allez, concentrez-vous bien déjà sur la surface d'appui au sol, l'équilibre de votre corps, la mise en tension musculaire pour parvenir à bien effectuer l'exercice et à ne pas tester. Et après, une fois que vous avez fait le travail physiquement, c'est dans la tête. On transcrit les choses différemment, on ne subit pas, on les contrôle, on les dirige. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Niveau 1, niveau 2, petit footing, niveau 3, niveau 3 plus. Allez, soufflez. Je vais me calmer un petit peu parce que ça va se mettre à la porte. Et ça sera légitime. Allez, soufflez bien. Si par contre, vous êtes en rez-de-chaussée, vous avez un jardin ou que ça a amortilé au sol, n'hésitez pas. Et si vous pouvez le faire. Et si vous êtes là, coordonnez bien bras-jambes. L'inertie, elle vient par les bras. L'équilibre vient aussi par les bras. Sentez l'alignement, bassin, épaule, pas ça. Ça. Une fois, j'ai des gens qui courent comme ça. Non, contrôle. Vous avez les clés maintenant pour mettre le contrôle en place. 3, 2, 1, top. Ici, troisième. Niveau 2. Et niveau 3. Dans tous les cas, faites attention à ce que les genoux n'avancent pas. Ne faites pas ça. C'est toujours fait sans l'intérieur arrière. Toujours les abdos engagés. La flexion par les cuisses. Par les jambes. Inspirez plutôt là-haut, soufflez en bas, mais surtout dans tous les cas, pensez à expirer. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, niveau 1, niveau 2, niveau 3 en avançant un peu, mais en avançant avec les gens qui ne fléchissent pas ça. Hop, flex, allez. Orientez bien les genoux, les points des pieds. Ça, c'est malheureusement trop souvent que je vois ça. Les genoux vers l'intérieur ou les pieds en dedans. Prenez soin d'orienter les genoux, pointe de pied à 10h10. Et si vous ne sentez pas en grande amplitude, faites-le en petit. Faites-le en petit. Familiarisez-vous vraiment avec l'exercice. 5, 4, 3, 2, 1. Parfait. Le cinquième exercice, les pompes ou sur le dos. Je reviens sur une option un peu plus cool. C'est parti. 3, 2, 1. J'ai mal au genou, j'ai mal au poignet. Je viens sur les fesses et je resserre. J'enlève la vitesse, j'enlève la précipitation. Pompe niveau 1. Les mains un peu en avant par rapport aux épaules. Et vous orientez les coudes vers le sol. Voilà. J'inspire en descendant, je souffle, je remonte. Niveau 2. Les hanches et les genoux en arrière. On souffle bien. Et niveau 3. Allez, 5, 4. Alors là, on va rester en bas. 3, 2, 1. Vous commencez ce soir, vous pouvez pas sur les coudes, mettez ici 10 secondes de côté, puis 10 secondes de l'autre côté. Niveau 2, soit sur les genoux, vous rentrez ici la taille, vous gardez, vous restez sur les genoux, vous maintenez là 10 secondes, ou ici, ça c'est vous qui voyez, c'est vous qui voyez, pardon, 10 secondes d'un côté, 10 secondes de l'autre, ou alors on part en nage, bras tendu, transfert d'un côté, je reviens là-bas là-haut, je reviens, je souffle, et je change de côté. Et je souffle. Allez. 3. Pensez à bien contrôler le mouvement par la contraction aux abdos. N'allez pas plus vite par les bras ou par les jambes. C'est facile de bouger les bras et les jambes. Ce n'est pas ce qu'on recherche. Ce qu'on recherche, c'est un travail dynamique, encore une fois, avec un vrai gain. Donc sentez que c'est par la sangle abdominale qu'on verrouille et qu'on fait le déplacement. Allez, encore 2. Tellement vous avez fait difficile, ça pour les autres. 3,
2, 1, parfait, le septième exercice, niveau 1, niveau 2, flex, pointe, flex, pointe, et dans ce cas-là, je cherche à serrer mon fessier périné, voilà, et niveau 3, allez, rassemblez bien en bas pour déclencher vraiment l'impulsion. Allez, on lâche rien, 18, dix, neuf, huit, allez, c'est maintenant que vous faites l'effort. C'est maintenant on commence déjà à être un peu fatigué, on ne lâche pas. Cinq, quatre, restez là. Là, 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 ici, là, pas ça, là, deux, un, tout de suite. Je reste en actif. Rappelez-vous ce qu'on avait dit, ne jamais s'arrêter brutalement après un effort. On souffle, ça peut être ça. Ici, on récupère. Vous êtes habitué, vous faites du fractionné, vous faites vraiment intermittent. Continuez un petit peu ici encore, allez. Être sur le tapis. Je suis désolé, j'ai fait l'homme sans tête là, mais au moins j'amortis pour les voisins. Allez. 5, 4, 3, 2, 1, on régule. Parfait. Redescendez au cardio. Maintenant, vous avez besoin de plus de temps de récup. Vous prenez plus de temps à la récup. Il n'y a pas d'obligation. Vous pouvez faire moins de temps sur les exercices. Vous pouvez faire un exercice sur deux. Vous pouvez faire carrément l'impasse sur une routine complète. Ce n'est pas un souci non plus, ça fait 3 minutes 30. Hein. Donc, vous avez le droit de faire l'impasse et de reprendre si vous n'êtes pas au top condition encore. Encore. Allez, expirez bien. On va. Allez, si vous pouvez... pendant moins de 20 secondes. Allez, oxygénez-vous. Là, vous êtes bien, théoriquement, vous avez suffisamment de réserve pour contrôler votre séance, pour ne pas être dans le rouge. Si vous êtes à l'aise, vous allez pouvoir mettre un peu plus la cartouche sur les impulsions. Je parle notamment pour le 3 et 3+. Et bien sûr, si vous avez envie encore à l'issue du circuit complet de rajouter une ou deux boucles, vous avez le droit de le faire. 3, 2, 1, c'est reparti. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Bien. Je suis engagé au cœur d'un groupe là. Je suis pas tout seul. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des seniors, il y a des enfants. On partage tous la même envie, la même volonté au même moment. Allez, Laura. Allez, lâche rien. 10 secondes. Là. 5, 4, 3, 2, 1. C'est reparti. Hop. Déplacement. Simple. Ici. Oula. Allez, je suis grand, je suis placé. Mes abdos sont verrouillés. Je ne perds pas d'énergie au niveau du bassin. Par contre, je suis capable de renvoyer une bonne énergie en partant du sol et en allant vers le haut, et non pas en m'écroulant ou en m'affaissant. J'active bien les bras. Plus les bras participent, plus il y a une dépense énergétique importante. Donc, plus les calories. Ch'tung, ch'tung. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, on ouvre genou, pointe de pied, option 1. Comme le geste est court, je vais vraiment mettre le gap au niveau de la ceinture. Pour les autres, plus d'amplitude. Et l'option 3, allez. Alors, on bosse ensemble. On sent le travail qui se construit, là. On sent le corps qui répond, et non pas qui subit. Il répond intelligemment. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Niveau 1, c'est parti. Vous voulez monter un petit peu dans la difficulté, niveau 1, ajoutez les bras sur chaque dégagé. Montez les bras. Abaissez bien les épaules. Serrez les abdos. Parfait. C'est une obligation, hein. C'est une option. Et niveau 3. Allez. Et là, si vous êtes là, ne tapez pas le sol. Faites pas le truc lourd. Oh, parfait. Ou là, je contrôle zéro. C'est flex, relance. Sauf que le temps de passage au sol, la brièveté de l'appui est beaucoup plus contrôlée par vos cuisses, par vos fesses. Allez, 12 secondes. 10, 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1. Bouge. Allez, au sol. C'est parti. Allez, le placement des doigts à l'intérieur. Et go. Allez, j'ai un œil sur vous. Hein. Je vous vois. J'ai pas encore l'application pour m'inviter chez vous tous, mais j'y travaille. Allez, 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Option 1, 10 secondes. Je lève les bras, je lève les jambes, je travaille. Option 2, genou ou jambes tendues. Et option 3, sur bras tendus. Transfert, c'est parti. Essoufflez lors du retour en avant. Ne se désunissent pas dans le transfert. Tout ça, encore une fois, c'est du contrôle, c'est votre contrôle. C'est toute la caractéristique de vraiment piloter votre corps, même dans le mouvement. Allez, 3, 2, 1. C'est reparti, pas à côté. Hop. Allez, go. Option plus cool. Ici, pointe des pieds. Pas besoin de sauter. Ça peut être aussi sans sauter, hein, ou sans pointe des pieds d'ailleurs. Ça peut être juste avec une flexion. Et ça peut être aussi ça. Au fil des tours, si vous commencez à sentir que c'est dur, restez là. Inspirez. L'important, c'est de faire le travail. Le chemin, on le fera ensemble. On a encore des kilomètres à faire ensemble. Allez. Lâchez pas. 3, 2, 1. Parfait. Niveau 1, niveau 2 et niveau 3. On est bien ce soir, on met du timing, là c'est cool. Allez, on contrôle. Levez les genoux. Option plus light. On va voir tous ceux qui font du fractionnel. Hein. Parce que je les connais, les amis runners. Hein. On n'a pas le temps, le plaisir de la course à pied, la nature, absorber du kilomètre. Mais alors par contre, la PBG, c'est tellement pas ludique. Qu'est-ce qu'on y a à en faire? Et pourtant, les amis, dans les transmissions neuromusculaires, dans les transmissions de force, dans le gain en explosivité, dans le contrôle pour diminuer la fatigue, comment ça fait sens à les récupérer? Donc, je ne vous donne pas de conseils. J'ai aucun conseil à vous donner. Mais si vous pouviez, même en parcimonie, de temps en temps, 10 minutes dans une semaine, ajouter ce type de routine, vous allez tout gagner. Allez, soufflez bien. C'est la base de tous, hein. C'est la base de tous les corps. La PPG, la préparation physique générale. Après, on va sur de la PPA ou de la, la PPO, c'est la préparation adaptée ou orientée. Et après, quand on est dans un sport et de la compète, c'est la PPS, préparation physique spécifique. Alors nous, on n'est pas, mais la PPG, c'est extrêmement important. Et il n'y a pas un athlète qui ne commence pas sa saison sans faire de la PPG. Il y a bien une raison. Ce que je disais hier. Le corps, c'est un cardio, des muscles, des tendons, des articulations, un besoin de renforcement musculaire, un besoin d'endurance, un besoin de souplesse, de mobilité. Donc, c'est vraiment jouer sur nos capacités physiques. Hein. On n'a rien inventé. Allez, si vous êtes prêts, on repart. 10, 9. Est-ce que vous êtes prêts d'ailleurs? Parce que là, je vois que vous ne mobilisez pas beaucoup. On est prêt ou on n'est pas prêt? On est prêt. Je suis sûr qu'on est prêt. Je vois rien, mais je suis sûr qu'on est prêt. Allez, départ dans 5. 4, prenez grande inspiration. 3, je suis là pour construire mon corps. C'est parti, go. Plus rien ne fera avancer. Plus rien ne fera douter. J'en ai eu des messages en ce sens-là. Hein. Bravo à tous, hein, vous allez vous reconnaître. Hein. C'est là où c'est la fierté. Parce que, au-delà de distribuer un contenu sportif, de vous accompagner dans cette dimension-là, et vous, vous y gagnez justement confort physiquement, plus d'assurance et tout ça, c'est vous qui avez fait le travail. Donc, c'est à vous que je dis merci. Un grand chapeau. 5 secondes, 4, 3, 2, 1, et on revient. Parfait. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Allez, 20 secondes. Je ne peux pas trop monter, mais n'hésitez pas si vous pouvez. Garder le rythme, je ne peux pas trop parce que j'ai mis le temps en dessous. Soufflez bien. Ici, avec la notion de gainage et de déplacement en restant haut, l'énergie, je la fais passer du bas vers le haut. 3,
2, 1, et c'est reparti. 1, 2, ou 3. Voilà. Essayez de vous regarder si vous avez la possibilité, si vous avez le miroir en vitre. Essayez de vous mettre là, boum, lourd. Il vaut mieux être là dans ce cas-là. D'accord ? Dans le contrôle. 3, 2, 1, c'est parti, les jacks. Ou alors, petit jack. Ou alors, petit dégagé. Ou alors, dégagé avec moi. Voilà. Que vous arrivez vraiment à mesurer ce que vous êtes capable de produire. L'interprétation de soi, la visualisation. Tout ça, c'est extrêmement important. Allez, 15 secondes. J'espère que ça implique un peu, hein, que c'est pas que facile. Là. 3, 2, 1, au sol. Allez. Au niveau 1, 3, 2, 1, hop, c'est parti. Fléchissez avec les coudes, pas forcément en allant jusqu'en bas. Par contre, vous bougez plus et d'ici, vous appuyez. Et c'est là où votre triceps, il va remonter en vraiment poussant le sol. C'est là où vous êtes dans l'extension de bras. Allez, soufflez bien. Personne ne lâche. On est ensemble, rappelez-vous, on est une équipe derrière nous là. Si c'était que simple, ça serait trop facile. Il n'y aurait pas d'objectif. Stop. On part sur le côté. Allez, soit sur les genoux, soit sur la hanche, soit couché sur le sol, soit avec le transfert. Go. Si vous êtes là comme moi là, sur les genoux ou sur jambes tendues, regardez ici, c'est là le plus important. Si vous êtes là, vous allez relâcher l'objectif. Rentrez bien ici à l'intérieur pour gainer au maximum. Parfait, on switch. On fait la même chose au côté. Si vous êtes là sur le coude, gardez l'épaule en retrait par rapport au coude. Il ne faut pas que le bras soit plus à l'intérieur que l'épaule, mais l'inverse, en abaissant bien notre épaule. Allez, 3, 2, 1. Parfait, on remonte. Et c'est reparti. Hop, flex et soufflez. Allez. Et malgré la fatigue qui s'accumule, vous y préservez vraiment le relâchement, l'efficacité du geste. Comment vous concentrez l'énergie en bas pour la délivrer vers le haut? Même là, je concentre, hop, et je délivre. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Parfait, on récupère. En actif ou en actif. Allez. Allez, 41, et là, c'est cool. Allez, soufflez. Encore 15 secondes comme ça. Cinq, quatre, trois, deux, un. On récupère. Parfait, on souffle. Je vous propose de faire ça une dernière fois. Et après, on passe au sol sur un peu d'abdos. Allez, expirez. Là, ça va peut-être être dur. Hein. Si c'est la dernière, si vous avez choisi, que ce soit la dernière, parce qu'après, si vous avez du temps et vous souhaitez pardon, poursuivre, faites encore une ou deux boucles maximum, pas plus. Si vous décidez que c'est la dernière, on essaie peut-être de monter un tout petit peu dans l'intensité, mais toujours en essayant de garder du contrôle, d'accord? Pas le truc où on part dans tous les sens en mode d'artifice, on reste sur l'intelligence, le contrôle qu'on est capable de produire. Sauf que sur la gestion globale de l'effort, sur la gestion de l'énergie, on sait que c'est la dernière. Donc, on peut peut-être se permettre de se mettre un peu plus en danger. Allez, soufflez bien. Oxygénez-vous longuement. Je vous en parlerai demain matin, mais il y en a qui m'ont parlé des séances courtes pour être en forme. Ça, c'est typiquement le type de séance que vous pourriez faire. Vous faites une routine si vous n'avez pas de temps, deux routines. Ça se fait en moins d'un quart d'heure avec échauffement intégré. C'est pas grand-chose, mais franchement, ça apportera déjà son lot de bénéfices. Hein. Allez, départ dans 15 secondes. Allez, on va se faire le check, là. Le check collectif. Il est global, celui-là.
Il est pour tout le monde, pour tous ceux qui sont là derrière leur écran. Allez, départ dans 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti, go. Plus jamais je laisserai le temps agir sur moi. Plus jamais je laisserai les autres décider pour moi. Plus jamais je douterai de mes capacités. Plus jamais je crois que je suis en mesure de pouvoir faire l'effort. Sept secondes. 5, 4, je parle pour moi, hein, bien évidemment, c'est pour moi que je raconte tout ça. 3, 2, 1, c'est parti. Hop. J'ai pas le temps à m'accorder. C'est un leurre. Dernière recommandation avec ça, si je veux d'abord être bien avec les autres, déjà que je suis bien avec moi-même. Allez, soufflez. Ne vous inquiétez pas, ça m'arrive souvent. Je me parle, je me raconte des trucs comme ça, je me lave les dents le matin, je me raconte un peu des histoires de vie comme ça. C'est pour moi ce que je dis. N'en tenez pas forcément compte. Allez, 5 secondes. 4, 3, 2, 1. On repart. Jambes écartées, les mains. Et c'est parti. Hop. Allez. Ou plus d'amplitude. Allez. Par contre, il y a un truc qui est pour vous là. Soyez fiers de vous. Regardez ce que vous êtes en train de faire. Quelle que soit l'option choisie, vous êtes là. Vous êtes au rendez-vous. Vous êtes peut-être dégagé du temps pour le faire. Ça, c'est pour vous. Allez. Le reste, si ça vous parle, tant mieux. Mais c'était surtout pour moi. Allez, 9. 5. 4. 3. 2. 1. Option cool. Option très cool. Option je renonce pas. Option 2. Option 3, j'y suis. Alors, on parlait d'intensité tout à l'heure. Et bien là, un peu plus bas. Juste raccourcissez. Le passage du pied au sol, un peu plus sur la piété. Est-ce que le périnée est toujours engagé, messieurs, dames? Et vous, par ici, là. Est-ce que vous y avez pensé au périnée? Allez, je ne le lâche pas. Transverse, périnée. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, cool. Allez, on y va. On celui-là, c'est pour se donner le dernier courage. Vu de l'extérieur, ça doit être complètement pareil. 3, 2, 1, go! Alors, mobilisez-vous là. Vous en voulez, c'est probablement dur, mais vous ne renoncerez pas parce que c'est vous, c'est de votre vous profond là. Allez! C'est celui qui va vous donner encore plus de fierté après. Allez, 4, 3, 2, 1, top, on enchaîne. Posez bien les pieds, posez bien les mains et sentez, vous ne perdez pas d'énergie lors de la pose de la main ou du pied. Allez, 6, 7, 8, je reste galbé, 9, 10, ok, on rassemble, on revient, option 1 plus, option 2 et option 3, go! Allez, je vous attends les amis. C'est pas pour rien si on est plus de 1000. C'est pour votre énergie. C'est pour votre force collective, encore une fois. Alors, vous avez beaucoup challengé. Vous sentez que c'est trop. Restez là. C'est très bien. Vous régulez, mais vous ne renoncez pas. 5, allez, 4, 3, 2, 1. Tout de suite, je vous attends. Hop, récupérez. Ou récupérez. Ou encore un peu si vous avez encore puissance. De la puissance tendre. On est bien, on l'a fait. Il n'y a plus qu'une chose là.
qui doit régner, c'est la satisfaction. Même si ou c'était dur ce soir, ou je me suis employé, ou c'était chaud, mais je suis là. Allez, soufflez. 15 secondes. 10. 5, 4, 3, 2, marchez, n'allez pas boire tout de suite. Marchez, marchez. Où allez? Dites-vous juste une chose. Vous êtes derrière votre écran. Je suis fier de vous. On a fait le travail. Hein. Vous voyez, je ne suis pas dans le confort là. J'espère que vous non plus. Hein. Allez, soufflez. Je sais que vous avez bien fait le boulot. 49. Mon Dieu. Alors les triathlètes, les marathoniens, les amis sprinteurs, les joueurs de hand, les joueurs de rugby, tennis, foot, tout ce que vous voulez. Vous faites comme ça du fractionné, vous faites de l'intermittent, vous avez encore du jus, vous avez 20 ans, 25 ans, ben, les gars, vous pouvez faire encore une ou deux. Quand je dis les gars, c'est les garçons et filles. Sinon, c'est déjà très bien. Pour ce soir, c'est parfait. On passe sur le dos, on va se mettre en matadou. Hydratez-vous. Hein. Allongez-vous bien. Alors, on va commencer par se détendre 2 secondes. Vous allez attraper le genou droit à la poitrine. Tendez la jambe gauche sur le sol. Essayez de prendre le temps à l'inspiration. Si ça paraît difficile parce qu'on manque d'oxygène. Étirez bien par le nez. Prenez le temps à l'expiration. Même si vous pensez être en dette d'oxygène, ça va passer rapidement. Parfait. Je vous invite à poser les pieds à plat sur le sol. J'espère que vous êtes toujours là. Je vais descendre un peu parce que le cadre de nos amis au sport, hop, il a disparu. Voilà. A priori, c'est bon pour tout le monde. Vous mettez bien la main dans la tête. Vous allez lever avec le haut du corps. Vous allez essayer de garder les pieds à plat sur le sol. Neutre au niveau de la colonne vertébrale. Donc, on ne vient pas écraser le verre. On engage le transverse. On va souffler d'une traite là. 8 secondes. Chut. Top. Vous inspirez pour le moment. Vous soufflez encore une fois. 7 secondes. Chut. Sentez que vous avez baissé les côtes pendant ce temps. 6. 5, 4, 3, 2, 1, on bloque, on inspire. La ceinture est toujours en place, vous mettez 1 ou 2 crans de plus à la ceinture, on souffle, 5 secondes. Stop. Vous rentrez un peu le ventre, un peu. Maintenant, vous faites une expiration volontaire. Vous inspirez, vous lâchez rien de ce que vous avez mis en place là. Vous inspirez, vous soufflez durant 5 secondes en continu. Stabilisez. Rentrez légèrement le ventre. Très légèrement, mais sentez que c'est dur. Et faites une expiration volontaire. 5 secondes. On va faire ça une dernière fois. Vous inspirez bien. Soufflez. Stabilisez. Inspirez. Rentrez le ventre. Par-dessus, vous gainez. Parfait. On place bien dans la tête. On décolle bien le menton de la poitrine. On écarte les coudes. On monte en single vers le haut. Ça fait 1, 2, 3, 4. Mais c'est pas ça. Hein. C'est pas en donnant des petits mouvements d'élan avec les épaules. C'est par l'expiration. Donc c'est là. Le moteur travaille. Et vous redescendez. Imaginez un peu une montgolfière. Sous l'emprise de la flamme, là. Il gaz. Hop. Ça monte, et bien c'est la même chose. Elle n'a pas une impulsion dynamique, hein. C'est exactement la même chose. Et revenez tout doucement. Encore. Donc vous avez à la fois le ventre qui s'est légèrement rentré, par-dessus le travail de contraction au niveau du transverse. Bien évidemment, vous ne lâchez pas votre périnée. Vous ne creusez pas d'eau, vous restez en neutre, vous restez simple dans la posture. Hop, et vous faites toujours le même travail en single. Encore, je dis, vous ne creusez pas le dos,
Vous essayez de ne pas exagérer la courbure, c'est-à-dire vous restez sur une autre position naturelle de votre dos, tout comme à l'inverse. Vous ne venez pas plaquer les lombaires sur le sol. Hein. Allez, encore, on maintient ça. Parfait. 4, 3, 2, 1. Vous allez souffler une dernière fois et monter. Parfait. On va soulager un peu la tête. Vous regardez à droite. Vous regardez à gauche. Encore une fois, droite, gauche. Hop, et vous revenez à la position. Vous allez lever votre genou droit. Ici, vous allez monter en soufflant avec les épaules. Puis inspirer. Puis souffler, tourner les épaules sur le côté. Donc souvent, quand on fait les obliques, on va vers l'avant. C'est pas ce que je demandais. Là, je demandais de travailler sur l'axe de rotation. Parfait. Vous soutenez bien. Le bras gauche, vous venez le mettre à l'extérieur de la jambe. D'habitude, je monte à l'intérieur du genou. Cette fois, vous allez le mettre à l'extérieur en rotation. Vous allez essayer de garder le haut du corps roulé. Limite, votre épaule qui est sur le sol, elle ne doit plus toucher. Maintenant, vous poussez avec le dessus de la main et la jambe résiste. Alors là, pour le coup, c'est pas les fessiers que vous allez sentir, même s'ils sont impliqués. C'est ici, au niveau des ados. Soufflez. Revenez tout doucement, décompressez, inspirez. Tournez les épaules. Placez la main. Remontez les épaules. Tête en arrière. On exerce la pression sur la main, on souffle. On revient, on inspire. Vous devez le sentir. Hein. Si c'est super bien placé, super bien exécuté, vous le sentez. On remonte, main à l'extérieur, rotation des épaules. Ensuite, élévation dans un plan vertical, même s'il est léger. Même s'il est légère, l'élévation. On appuie avec la main, mise en tension, on touffe. On revient, on inspire. On remonte. 4 et 5. Allez. On redescend pour ces transverses périnées. Et soufflez. Parfait, je vous invite à faire la même chose de l'autre côté. Hop, on se replace. Les épaules, engagement des épaules en rotation. La main à l'extérieur. Je décolle mon épaule près du sol. Alors si vraiment sur l'option 1, vous ne pouvez pas garder la tête. Pas la tête au sol, pardon, l'épaule au sol. Allez, on exerce la pression et on souffle. On descend et inspire. Deuxième, on prend la main, on appuie. On redescend. Si là, vous ne sentez pas, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc, n'hésitez pas à m'écrire, à me demander si vraiment vous ne sentez pas l'exercice. Encore deux fois. Inspirez. Placez bien, appuyez avec la main sur le genou. Tournez les épaules, engagez les abdos, forcez sur l'expiration. Dernière fois, inspirez, tournez et soufflez. Parfait, soit vous venez avec les pieds au sol, vous replacez bien la tête, vous soufflez, la montgolfière, je monte, je mets les gaz, pas de précipitation, je reste, soit vous faites pied au sol, soit vous le faites jambes relevées. On est parti pour 20 petits mouvements en essayant vraiment de sentir que c'est par l'expiration que mon buste s'élève. Allez, go! Essayez d'engager le périnée. Ne tirez pas sur la tête. Hein. La 8e, 9e. Si c'est trop difficile pour ce soir, vous avez déjà fait 10, vous pouvez vous arrêter là et ça sera très bien. Sinon, c'est la 11e. 12e. On a une étape intermédiaire, ça peut être 15 ou alors on va jusqu'à 20. 14. 15. Allez, vous choisir. 16. On y est, les amis. 17. 18. 19. Inspirez sur la dernière. Restez là en 5 secondes. Soufflez. Soufflez, soufflez. 5. 4. Est-ce qu'il y a du relâchement dans la crispation? 2. 1 et relax. Parfait. Applaudissez-vous. Un grand, grand, grand bravo. Parfait. Je vous invite à descendre les genoux sur le côté. Les bras en croix. Et si vous le pouvez, le regard de l'autre côté. Et de nouveau, 18h57. J'ai quand même réussi à atteindre l'objectif de vous. Non, bravo à tous. Allez, décontractez-vous. Relâchez le dos. Je suis sûr, encore une fois, que vous avez bien fait le travail. Je suis sûr que vous avez bien bossé. En faisant un travail comme ça, vous allez vraiment progresser à tout niveau.
En aisance respiratoire, en aisance cardiaque, en endurance, en puissance cardiaque aussi, donc plus de confort. Vous allez moins subir les pressions au quotidien, plus de contrôle intrinsèque, un corps plus intérieur, des muscles plus puissants, une volonté qui va aller avec parce que vous avez fait le travail. J'espère juste une chose, on est à 2 jours de la fin. Ouais, 2 jours de la pseudo-libération. Mais ne lâchez pas tout ça, même si vous devez adapter. Et je ne dis pas ça pour moi par rapport à mes séances, ça par rapport à vous. Si vous avez pris le rythme pendant ce confinement, de bosser, d'être au rendez-vous, par pitié, je m'en vais juste une chose, c'est de garder ça et de préserver même une fois par semaine, même un quart d'heure si vous n'avez pas le plus de temps. Mais essayez de vous l'accorder, ce serait le plus important. Changez les genoux de l'autre côté. On a tous nos contraintes, hein. On a tous nos difficultés, et moi-même le premier, hein. Je sais que je fais faire du sport aux autres, et pour trouver du temps pour moi, c'est dur. Mais si on ne se le prend pas, si on ne décide pas pour soi, on ne le fera jamais. Et là, c'est notre santé, notre vie dont on parle. Si vous l'avez fait pendant ce confinement, c'est que ça vous parle. Donc essayez, si possible, de préserver tous ces acquis pour après. Pour tout le reste, c'était juste un plaisir et une fierté. Ah, ça, c'est une bonne remarque, Ingrid. Avec le circuit training, ce qui est bien, c'est que ça passe super vite. Ouais, c'est des séances qui sont super ludiques. Comme on varie énormément les exercices et que ça s'enchaîne, on n'est pas dans la monotonie, c'est vrai. C'est tenté, on est dans la monotonie sur les autres séances, mais c'est vrai que par définition, le circuit training, ça passe vite. J'espère que vous vous sentez bien, j'espère que vous êtes toujours en forme. J'espère que vous êtes toujours là, d'ailleurs. Il y a qui est trop en confiance et qui parle, il est tout seul. Il est 22h30, il s'est pas rendu compte que tout le monde avait quitté la scène. Oh, ça m'arrivera un jour. Allez, je vais laisser encore 5 secondes. N'hésitez pas encore une fois à bien vous hydrater. Partez, parfait. On va venir s'asseoir. Vous allez tendre les deux jambes. Vous allez partir avec la main droite à l'extérieur des genoux, le bras gauche bien derrière en appui. Le buste droit et vous tournez les épaules de votre côté. Parfait, on switch. Bien. Et la dernière, je vous invite à mettre un peu les jambes. Inspirez, si vous avez mal au dos, n'hésitez pas à plier les jambes, même à vous mettre derrière. Ça, c'est comme santé. Vous inspirez bien. Ici, je ne suis pas souple au niveau des hanches. Vous enroulez vers l'avant sans tirer sur la tête, vous soufflez. La deuxième, inspirez. Enroulez, soufflez. Encore une fois, inspirez. Et relâchez, soufflez. Que dire que j'ai été très heureux une nouvelle fois de partager cette séance avec vous. Merci d'avoir été au rendez-vous. Si vous m'envoyez des messages, je réponds le plus possible. Ça peut prendre du temps. Je suis vraiment navré de répondre tardivement. Je réponds. Si vous pouvez faire des petits messages, ça serait cool aussi. Parce que des fois, c'est vrai que j'ai des messages longs. Ça me fait très plaisir, mais c'est vrai que le temps de répondre à tout. Donc plutôt petit, si vous pouvez. J'essaie de répondre à tout le monde. Demain matin, 11h, si vous pouvez et si vous avez envie d'être là, on parle de la suite. Je vous raconterai un peu. On fait tout ça demain matin à 11h et demain, la 50e, c'est l'anniversaire. Merci à tous, bonne soirée, ciao et bravo, soyez fiers.